so much for me. I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Et j'appelle aussi les enfants. Les enfants, ils sont. Nous allons prier d'abord pour la famille. Les enfants. Oui, restez devant. Que les enfants soient avec vous. Ce sont les enfants. Cette prière-là, ce n'est pas la prière de l'ordination, c'est la prière pour la famille. C'est bon? Alors, regardez-moi maintenant, s'il vous plaît. Je vais m'adresser aux frères Usangai, Mamielengi Papi et la sœur Mpanga Tumbe Nadine. Dieu a appelé votre épouse, comme vous aussi, Dieu a appelé votre époux à une tâche noble à laquelle vous aurez aussi à prendre part en qualité d'aide semblable. Alors, s'il vous plaît, vous allez répondre, vous, les parents, vous allez répondre à quelques questions d'engagement avant la prière. Je vous pose la question, papa et maman, êtes-vous consciente de l'appel? Par exemple, dans votre cas, de votre mari, ou dans votre cas, de votre épouse. Oui. Savez-vous que vous êtes impliqué par Dieu dans son ministère? Oui. Okay. Passez le micro. Et vous aussi? Oui. Merci. Que Dieu vous bénisse. Savez-vous que les saints ministères dans lesquels s'engage votre mari, dans votre cas, ou votre épouse, est plein de joie et des épreuves, pouvant même embraler sa foi ainsi que la vôtre? Oui. Oui, oui. Êtes-vous prête à en dire cela et à les partager avec votre mari ou votre épouse? Oui. Voire à l'aider à les surmonter? Oui. Ok. Oui. Vous engagez-vous à ne pas être un obstacle pour les ministères de votre époux ou de votre épouse par des comportements irresponsables et contraires aux saintes écritures? Oui, je m'engage. Voilà. Oui, je m'engage. Ok. La dernière question, savez-vous que c'est par votre canal que votre époux, dans votre cas, votre épouse, sera un bon époux, une bonne épouse, un bon père ou une bonne mère pour vos enfants et un bon conducteur ou une bonne conductrice des brebis devant Dieu, l'Église et le monde? Le savez-vous cela? Oui, je le sais. Oui, je sais. Merci. Je prends acte de votre déclaration et votre engagement. Voulez-vous vous agenouiller devant Dieu? Et je vais appeler pasteur, oui, agenouillez-vous, toute la famille, devant Dieu. Je vais appeler pasteur Vicar pour la prière, pour la famille. À vous, je vous dis que Dieu vous donne la force nécessaire pour tenir vos promesses et vos engagements en tant que, pour vous en tant qu'épouse et pour vous en tant qu'époux, conseillère et conseiller, première collaboratrice, premier collaborateur de votre épouse et de votre époux. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place à pasteur Vika pour la prière. Amen. L'église, si nous pouvons nous élever un peu, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment très très important. Parce qu'il y a
beaucoup de gens qui sont commencés dans le ministère et qui sont entrés, les problèmes commencent dans le cours. Mais par la grâce de Dieu, comme on est l'Église, nous allons soulever nos mains. Et tel que Dieu t'a fait grâce d'être là, tu vas commencer à déclarer de belles paroles aujourd'hui. Tu vas commencer à prier. Et tu vas dire à Dieu que qu'il soit le maître des temps, des circonstances dans cette cour. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse être là toujours pour soutenir cette couple. Tu vas dire à Dieu qu'il soit là présent, nuit et jour, dans cette cour. Commence à prier dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais entendre tes prières. Fais le bien, s'il te plaît. Fais-le vraiment bien avant que je puisse clôturer dans la prière. Montez encore. Montez encore. J'aimerais entendre tes prières. Marabroshaya karaba. Maribro Shekarabo Sakaya Mama Wake. Karabo Sharaba. Mandarabo Sakaya Nayabo Se. Paix. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, je prie et je déclare. Que ce couple soit scellé par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare encore que le Saint-Esprit puisse l'accompagner nuit et jour. Père, que ta grâce accompagne cette couple dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Père, couvre-le par ton sang. Protège cette couple et cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les enfants, vous pouvez retourner. Et les parents, vous restez. Et nous allons continuer la cérémonie. Vous pouvez vous asseoir, l'Église de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais m'adresser à vous, l'Église, à l'Assemblée, hein, servante de Dieu, serviteur de Dieu, chers invités, frères et sœurs, parents, amis et connaissances qui êtes là. Nous sommes dans la joie de procéder au cours de ces cultes à l'ordination, à la reconnaissance des ministres que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a appelés. Et établi dans sa moisson pour qu'il soit ouvrier avec lui. Et à vous, les candidats, frères et sœurs, j'aimerais m'adresser à vous. Les services de Dieu auxquels vous vous engagez n'est pas ce que l'on peut prendre ou quitter au gré de ses intérêts. Ou dans ses préférences. Ceux qui sont appelés au ministère doivent laisser attendre qu'ils acceptent cette charge pour toute leur vie. C'est un chemin de non-retour. Et regardez-moi, s'il vous plaît, tournez vers moi. Maintenant, nous allons passer au moment d'engagement personnel. Engagement personnel. Comme vous êtes vous deux, donc je vais tout mélanger, mais la réponse sera personnelle. Tenez les micros, parce que l'appel est personnel, est individuel. Est-ce que d'accord? Là, ce n'est pas un problème de couple, c'est un problème personnel. On est d'accord? Kusangai mamielengi papi. De l'autre côté, Mpanga Tumbenadine, êtes-vous conscient devant Dieu, devant son assemblée et devant le monde que le Seigneur vous a appelé pour être ministre et vous tenir à son Saint-Service? Oui. Oui, je suis conscient. Je suis conscient. Voilà.
Oui, je suis consciente. Merci. Vous rappelant, Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Voulez-vous être par amour pour lui, le serviteur ou la servante de vos frères, quelles que soient leurs conditions, leurs origines ou leurs opinions? Oui, je le veux. Merci. Oui, je veux. Ok. J'aime la réponse parce que lundi, oui, je le veux. Pas oui, nous voulons, non. Oui, je le veux. Donc, c'est personnel. Merci. Troisième question d'engagement. Promettez-vous de tenir secret tout ce que vous attendrez dans les confessions privées ou dans les sessions des organes délibérants de l'Église? Oui. Oui, je le promets. Oui, je le promets, je vais garder secret. Ok. Oui, je le promets. Ok. Pour manifester l'unité du corps de Christ, voulez-vous demeurer dans l'amour fraternel, vous attachant non à ce qui divise, mais à ce qui unit? Oui, je le veux. Merci. Oui, je le veux. Merci. Je prends acte de votre engagement, que le Seigneur, votre Dieu, qui vous a appelé à son service, vous donne la force de tenir cet engagement et votre promesse que vous avez faite en ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais appeler les hommes de Dieu. J'appelle apôtre Jean-Paul Makito. Veuillez vous agenouiller devant la présence de Dieu. Et j'appelle pasteur Lévi à passer devant. Et j'appelle pasteur Vika à passer devant pour la prière. Ils ont commencé à s'agenouiller. Et pendant la prière, ils ont commencé à se prosterner devant le Seigneur. Et pendant la prière, ils vont coucher. Pourquoi? Parce que la Bible dit: qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur le ciel et sur la terre. Dès la poussière, l'Éternel retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand de son peuple. Ça se trouve dans les livres des Psaumes 113, versets 5 à 8. Alors nous allons prier, nous les serviteurs de Dieu qui sommes là devant, et nous allons leur imposer les mains. Je vais demander l'huile, l'onction d'huile. L'Église de Dieu, la main droite élevée en direction de nos bien-aimés, parce qu'en réalité c'est l'Église qui reconnaît, c'est la reconnaissance. C'est l'Église qui reconnaît. Ce n'est pas l'apôtre Mani. C'est l'Église. C'est pour cela votre présence qui est là. Voilà. Et la main droite en direction de nos frères. Et nous aussi, les hommes de Dieu, nous allons prier pour eux, pour ces services que Dieu les a appelés. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la bénédiction de Dieu. Nous allons demander la force de Dieu. Nous allons demander la sagesse, l'intelligence. Nous allons demander la provision de Dieu. Que Dieu puisse les capaciter. Que Dieu puisse être là avec eux. Car Dieu a appelé Simon-Pierre. Jésus ne l'a pas lâché, Simon-Pierre. Même si Simon, un jour, l'avait renié, mais Jésus l'avait récupéré. Parce qu'au préalable, Jésus l'avait déjà appelé. Jésus l'avait choisi. Et c'est Jésus qui l'avait capacité le jour de la Pentecôte. Et c'est même Pierre-là qui ne pouvait pas témoigner Jésus devant une femme. Mais ce jour-là, Pierre s'éleva et il a témoigné Jésus, même devant les autorités de l'époque. Il a témoigné avec conviction. Et nous allons demander cette onction-là, cette force-là. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Si la
Pasteur Lévi et après pasteur Vika. Merci. Éternel notre Dieu, devant Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église, en communion avec la colonne de l'Église, ton serviteur, l'apôtre Nani, et les serviteurs, pasteur Vika, pasteur Lévi, nous unissons nos voix pour tendre la main d'association et reconnaître officiellement devant les anges, devant l'Église, que nos bien-aimés sont dignes de ce ministère. Et nous prions, Seigneur, que les anges s'associent à eux dans ce service, dans cet engagement. Nous voulons simplement les bénir et les encourager au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu de grâce, le Dieu souverain, le Saint des Saints, nous te prions, notre Dieu, en ce moment. Tendre Père, pour cette cérémonie et l'ordination, et la reconnaissance du ministère de ton serviteur, papy, et ta servante, Nadine. Oui, je sais, le Dieu de gloire, que quand tu appelles, tu donnes des capacités. Car nos capacités viennent de toi. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, l'Esprit qui a oint Jésus, où il allait de lieu en lieu, guérir les malades, délivrer ceux qui étaient tendre Père lié, que cet Esprit se manifeste, notre Dieu, dans la vie de ton serviteur et ta servante. Que l'onction du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus les accompagne durant leur ministère, Dieu de gloire. Oh Jésus, je t'en supplie, tendre Père, avec ces mains d'association, notre Dieu, qui puisse aller loin par ta grâce. La Bible me dit, oui Seigneur, quand l'onction a touché la vie de Saül,
sa main le dira, l'onction te saisira et tu iras loin. Seigneur, merci parce qu'au travers cette onction, Seigneur, leur vie sera épanouie. Amen. Dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Merci encore une fois pour ta grâce, pour la gloire, pour les capacités, pour les revêtements dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'onction de Dieu accompagne ses ministères aujourd'hui. Que la puissance de Dieu reste à jamais dans cet ministère. Père, c'est aujourd'hui que tu l'as choisi et tu l'es loin. Tu as loin. Papi, et tu as ouin Nadine. Merci Jésus. Que c'est aujourd'hui que l'huile fraîche tourne tout autour de sa vie. Alléluia. Que leur ministère change maintenant. Que leur ministère change. Alléluia. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie encore que tous les combats, Seigneur, soient là. Au nom de Jésus-Christ, que l'huile fraîche tourne dans sa vie et dans leur ministère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Agenouillez-vous, mettez-vous à genoux devant Dieu. Et les pouvoirs qui m'ont été conférés par le Seigneur Jésus-Christ, chef de notre Église, en accord avec mes collègues ici présents, nous vous imposons les mains comme un signe d'ordination et prions que le Seigneur vous utilise particulièrement selon votre vocation. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous visite. 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 Lui qui élève. Lui qui élève, lui qui tire de la poussière, lui qui fait asseoir avec le grand, qu'il soit avec vous, qu'il vous capacite, qu'il vous touche. Commencez une nouvelle histoire avec Jésus. Commencez une nouvelle histoire avec Jésus. Jésus est en train de tourner une page. Jésus est en train de commencer une nouvelle histoire. Marche avec Jésus. Va avec la force de Dieu. Va un héros. Va un héros. Va un héros. Va avec la force de Dieu. Que Dieu te capacite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vous déclarons ordonné pour le saint ministère au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de vos vies et demeurez dans la maison et la présence de Dieu jusqu'à la fin de vos jours. Que Dieu vous bénisse, l'Église et l'Assemblée, disons tous Amen. Wow.
que Dieu soit loué. Et Je vais demander pour le temps. Je vais demander pour le temps à Kusangai à effectuer la lecture d'acte d'engagement. Il est là quelque part là, les protocoles, avant de procéder. Je lis au nom de Jésus. Je sous-signe Jean-Claude Kusangai, membre effectif de l'église ADJ, maison de restauration, 6 rue 18 avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, prend à ce jour l'engagement de servir Dieu au sein de l'église si haute précité en qualité de pasteur. Je m'engage à me soumettre et à soutenir la vision de mon église locale et celle du corps de Christ sans m'en détourner ni entreprendre une action visant à déstabiliser celle-ci dans l'exercice des responsabilités qui me sont confiées par les biais ministériels de mes pères spirituels. Par conséquent, je m'employerai à sauvegarder l'unité au sein de l'Église, corps de Christ, et les témoignages de mon Église locale, fait à Bordeaux le 20/11/2021. On acclame très fort, s'il vous plaît. J'ai sous-signé Nadine Toumbé Kusangai, membre effectif de l'église ADJ Maison de Restauration, 6 au 18 avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, prend en séjour l'engagement de servir Dieu au sein de l'église si haut précitée en qualité de pasteur. Je m'engage à me soumettre et à soutenir la vision de mon église locale et celle du corps de Christ sans m'en détourner, ni entreprendre une action visant à déstabiliser celle-ci dans l'exercice des responsabilités qui me sont confiées par le biais ministériel de mes pères spirituels. Par conséquent, je m'employerai à sauvegarder l'unité au sein de l'église corps du Christ et le témoignage de mon église locale, fait à Bordeaux le 20 novembre 2021. Je prends acte de votre engagement que le Dieu de la Bible soit votre Dieu et que toutes les bénédictions liées à ce sujet soient aussi votre partage. Nous allons passer au moment de revêtement des habits sacerdotaux et je laisse la place à Pasteur Vika pour les services. Bientôt on va arriver à la fin de la cérémonie. Regardez comme ça, regardez l'église. Le pasteur Vika va revêtir nos bien-aimés, l'école pastoraux, Toge et Étole. On commence par l'école. Call on you.
Jésus, acclamons très fort. Frères et sœurs, je vous présente. Voici devant vous les ministres nouvellement ordonnés. Si vous les acceptez comme un ministre du Seigneur, dans son champ, veillez le manifester. Yes. Les accolades après. Les accolades après pour gagner du temps. Ah. Mais écoutez les conseils de l'Église de Dieu. Membre de l'Église, corps de Christ, soutenez ses ministres dans tous les devoirs et leurs charges. Donnez-leur toute votre confiance. Entourez-les d'affection et de considération. Priez et travaillez avec eux. Appelez-les par leur titre honorifique. Appelez-les pasteurs. Amen. Pasteur Papi. Pasteur Nadine. Alléluia. Acclamons très fort pour eux. Je laisse. Je laisse la place à Pasteur Vika. Pour les, pardon, à Pasteur Lévi, pour les cadeaux de l'Église. Donc, remise des Bibles, guide des pastoraux et certificats d'ordination. Protocoles, ils sont où? Il n'y en a pas. Bon, au moins, il y a les certificats. Bon, remettez quand même un certificat d'ordination. Au pasteur ordonné. Yes.
pour terminer, je laisse la place à l'apôtre Jean-Paul Makuto pour quelques conseils au ministre ordonné. Vraiment, il sera bref. Merci. Ainsi, ce soir, devant le peuple de Dieu, devant tournez-vous, l'église, tournez-vous pour écouter les conseils. Devant le Seigneur de l'église, vous avez été reconnu et ordonné. Nous vous acceptons dans les rangs des ministres de Dieu. Vous êtes ainsi honorés. Tout ce que je peux vous dire comme conseil, c'est que vous êtes aujourd'hui comme des jeunes conducteurs à qui on vient de remettre le permis de conduire ou la clé du véhicule. Et chaque fois que vous êtes au volant, vous êtes responsable du matériel qui est le véhicule. Amen. Vous êtes responsable des passagers qui sont avec vous. Vous êtes responsable des autres usagers de la route. Et vous devriez vous conduire en responsable. Et si jamais on apprenait quelque chose et que l'homme de Dieu que nous sommes venus appuyer, qui a reconnu votre appel, s'il vous dit stop, arrêtez-vous. Celui qui vous ordonne, c'est celui à qui vous devriez obéir, celui à qui vous devriez vous soumettre. Je voudrais juste que vous lisez ces deux textes à la maison. Psaume 78, verset 72. La Bible dit « David les dirigea avec un cœur intègre et une main intelligente. » L'intégrité. Parce qu'il y aura des choses qui vont vous décourager à l'intérieur. Mais vous avez besoin de tout ce qui est à l'intérieur. Vous avez besoin d'être intègre vis-à-vis de Dieu. S'il y a des choses que vous ne pourrez pas dire aux gens, soyez intègre dans tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il viendra aussi des oppositions, des affronts, quelque chose qui vient en face à l'extérieur de vous. Restez intègre. L'intelligence ici, c'est cette sagesse. Ne faites pas de vos conflits le conflit de l'Église. Si quelqu'un vous injurie, c'est vous qu'on a injurié. Ne confiez pas ça aux enfants de l'Église. Parce que Pierre a coupé l'oreille. Si vous attaquez à quelqu'un, vos enfants peuvent le tuer. Mais si vous marchez devant, vos enfants vont vous dépasser. Restez le modèle. Le deuxième texte, c'est Actes chapitre 20, verset 29. Paul dit de prendre garde à tout le troupeau de Dieu. Verset 28. Paul dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira. Il y a un danger extérieur. Des gens qui s'introduisent. Faites attention quand vous acceptez, quand vous accueillez quelqu'un. Paul dit, après mon départ, il s'introduira des loups. Faites attention à ceux qui s'introduisent. Et faites aussi attention, Paul dit, je sais qu'il s'élèvera du milieu. Donc, il y a des gens qui s'élèvent, qui s'auto-proclament. Faites aussi attention à ces choses et que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Vika a un mot. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je suis vraiment dans la joie. Vous savez, un jour, Jésus-Christ entrait dans le temple. Et il prit le rouleau, il commence à lire et à lire, et après il a dit, cette écriture que je viens de lire est accomplie. Aujourd'hui, on est devant Pasteur Papi et Pasteur Nadine. Ce que Dieu a mis en eux, on vient de le confirmer à l'église. Amen. Et ma joie est ceci. Écoutez-moi bien. Vous savez, si j'ai pris le micro pour dire quelque chose, ce que je veux dire, je suis vraiment dans la joie, personnellement, parce que quand j'avais commencé à prier dans ma famille, j'étais toute seule. Et je suis devenu pasteur, j'étais toute seule. Mais de temps en temps,
Pasteur Papi, lorsqu'il venait au bled, il me suivait quand même. Et lorsque je suis venu en Europe, il me déposait et il rentrait. Mais aujourd'hui, je le vois, pasteur. C'est ça ma joie. Si dans ma famille, il y avait 15 milliards de démons, ça sera divisé par deux le combat. Je ne serai pas toute seule. Voilà pourquoi j'ai prié que cette ordination soit telle qu'il est passé. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Grâce à Dieu, sur vous, dans le nom de Jésus-Christ. Oui.